Nous accueillons Fabien maintenant sur la libre antenne. Bonsoir Fabien. Bonsoir Olivier. Bonsoir. D'où nous appelez-vous Fabien et quel âge avez-vous? Mais j'appelle d'un petit village vendéen. Oui. J'appelle la Garnache. Mmh. Et j'ai 62 ans maintenant. Mais on s'était déjà parlé. On s'était déjà parlé il y a d'à peu près un an. Le podcast s'intitulait Fabien se remet d'une tumeur au cerveau. Oui. Donc, maintenant les choses ont évolué, hein, dans le bon sens. D'accord. Vous aviez eu une tumeur au cerveau agressive. Une tumeur temporelle. Oui. Très agressive. Ah oui, d'accord. Donc, qui a été opérée. D'accord. Ensuite, j'ai été orienté vers de la radiothérapie, de la chimiothérapie. Oui. Et maintenant, ça s'est arrêté depuis. Des soins ont été arrêtés depuis le octobre. Mais je suis quand même tous les trois mois. J'ai un suivi tous les trois mois par IRM cérébral. Et puis avec ma cancérologue, bien entendu, mmh. et qui voit l'évolution de la chose ou pas. Et depuis, finalement, ça n'a absolument pas évolué. Il n'y a pas de métastase, il n'y a rien, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de nouvelles tâches. C'est dans le bon sens, donc je serai en rémission. D'accord. Donc, un peu comme Yvette tout à l'heure. Oui. Et le souci dans tout ça, c'est que moi, personnellement, je vais être honnête, je prends toujours tout un peu trop à la rigolade, peut-être. Oui. Et je ne me suis pas rendu compte que j'étais malade. Ah bon? Bon, l'opération, bien sûr, j'ai été opéré du cerveau, mais au réveil, je n'avais pas plus mal que le lendemain d'une grosse bringue, quoi, je veux dire. D'accord. À l'hôpital, les gens étaient tellement sympas, gentils. Ils avaient de l'empathie, vraiment. Oui. Donc, à part le neurochirurgien qui lui était dans son truc à fond, quoi. Mais autrement, le personnel hospitalier, vraiment d'enfer. Donc, je me suis bien sorti. Mm-hmm. Après, j'ai été orienté. C'était à Nantes. Après, j'ai été orienté à La Roche-sur-Yon, où j'ai fait de la radiothérapie. Bon, pareil. C'était une récréation pour moi. D'accord. Et j'ai pas perdu mes cheveux, rien. Au contraire, je mets toute l'ambiance dans les salles d'attente parce que je remontais le miroir aux gens. Et même une fois, j'ai eu peur parce que il y avait une dame mariée, hein, qui était en pleurs dans la salle d'attente, elle perdait ses cheveux. Alors je lui ai expliqué, franchement, madame, arrêtez, vous êtes belle. Oh, vous avez toujours le moral, vous êtes belle, vous mettez un petit chapeau, un fichu, quelque chose, couvrez-vous, maquillez-vous. Et puis, merci. Puis on s'est mis à rigoler, ça s'est fait chaud. Et le lendemain, son mari s'est pointé. Il m'a dit, monsieur, je vais vous remercier, parce que depuis que vous êtes là, ma femme va mieux. D'accord. Alors, mais d'abord, j'ai eu peur à jouer. Et puis voilà, quoi. Et puis j'ai fait de la chimio, mais c'était de la chimio par la bouche. C'est un cachet qui s'appelle Thémodal. Oui. Bon, c'est aussi lourd, hein. Il y a autant les nausées, des vomissements, des machins. Oui. Tout ça, c'est aussi lourd. Mais bon, il n'y a pas cette angoisse d'être perfusé, d'avoir un trocard, un machin. Donc, c'est juste des cachets, puis on peut les prendre chez soi à la maison. Donc, apparemment, ça a bien marché, puisque tout va bien. Et donc, vous en êtes sorti. Et je m'en suis sorti. Et donc, cette cancérologue, là, qui est jeune, hein, mais presque de sortir d'être à la 31 ans. Oui. Je ne vais pas citer son nom, je ne sais pas si on peut. Aussi, vous pouvez. Elle s'appelle, c'est le docteur Camille Gollard de Montsaber. Mmh. Alors, elle était toute contente aussi, elle dit, parce que vous savez, moi aussi je suis contente, elle dit, parce que j'ai beaucoup plus de pertes que de réussites, quoi, elle dit, hein, dans,
Vous avez bien vu dans les couloirs, c'est pas beau à voir. Alors, ça aussi, c'était, ça me faisait plaisir de la voir. Parce qu'elle était calme, posée et tout. Et du coup, bon, ben, c'est bien passé. Et puis bon, ben, j'étais avec tout ça. Moi, j'étais à la MDPH, à la maison Oui, oui, des handicapés. Je gagnais rien. J'étais reconnu inapte au travail et j'avais une allocation d'handicap de 1000 euros, 1048 euros par mois. Oui, ce qui n'était pas beaucoup, beaucoup, mais Oui, ce qui fait pas beaucoup, beaucoup. Mais bon, vu que ma femme travaille, ça allait. Oui. Donc, voilà, donc ça faisait un. Et puis bon, je ne suis pas un dépensier, on n'est pas une famille dépensière non plus. Donc, on recycle tout. On mange, même au niveau nourriture, on recycle les restes. Il Oui, oui, oui. n'y a rien qui est jeté, quoi. On n'a pas de poule, on n'a pas de cochon, donc on mange ce qu'on n'a pas mangé. Donc, voilà. Et je reçois un courrier de la caisse de retraite, hein, de la Vendée. Oui. Comme quoi, comme j'étais handicapé, j'ai gagné 2 ans sur ma retraite et qu'il fallait que je m'attende que mon allocation de MDPH s'arrête et que la retraite prendrait le relais. Bon, ok, bon, je remplis les papiers, je téléphone quand même à la CARSAT, là, c'est la CARSAT, ouais. Je téléphone à la CARSAT, parce que je comprenais pas trop, je sais pas, j'ai un peu la phobie aussi des papiers. Oui. Bon, et il faut dire qu'avec le cancer, quand même, je suis sorti d'affaire, on va dire. Mais j'ai quand même ce problème à me concentrer sur quelque chose. Ça m'énerve tout de suite. J'ai plus cette possibilité de concentration. Alors, je leur téléphone, ils me disent, non, vous inquiétez pas, on a tout ce qu'il faut. On s'occupe de tout, on n'a rien besoin, tout va bien. Bon, ben, j'ai super. Et puis, il y a 3 semaines, vous voyez, je suis encore une fois en train de rigoler, alors que je vais en pleurer. Alors, il y a 3 semaines, je reçois une notification de versement de retraite Oui. qui m'a été attribuée de 259 euros par mois. Bon, c'est vrai que j'ai travaillé dans ma vie, mais je fais que de l'intérim, des choses comme ça. Hein, et puis, avant, j'étais marié une première fois. Bon, mais j'avais une femme qui était un peu, disons, au niveau financier. Mais bon, on avait quand même 2 voitures. On allait au restaurant tous les samedis soirs. Donc, j'étais pas non plus à boire rien, quoi. Donc, je gagnais ma croûte à gauche, à droite. Oui. Mais je travaillais en intérim. Hein, je travaillais dans toutes les boîtes d'intérim. Et 200, mais si c'est pas possible. Alors, il m'avait envoyé en même temps un dossier à remplir pour l'allocation personne âgée, voilà, personne âgée. Bon, je suis rempli, je leur téléphone, je leur redemande, mais comment ça se fait? J'ai 239 euros par mois. Et vous vous rendez pas compte? Vous avez oublié de m'envoyer un petit sachet de Morora avec. Hein. Ouais. C'est pas possible. Hein, et puis, à ce moment-là, j'ai même des idées noires. J'ai dit, à quoi ça sert de m'être sorti d'un cancer? C'est pour me retrouver dans la rue. Imaginons voir que demain matin, ma femme, elle me fout à la porte. Je dis, je fais quoi, moi? Hein? Je fais quoi? Surtout que, il y a eu des paroles dans le style, ben, maintenant, tu ne seras plus rien. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Tu vois ce que je veux dire? Bon, alors. Alors, bon, j'ai quand même encore l'espoir, je dis. J'avais travaillé pas mal au Luxembourg aussi, donc une retraite au Luxembourg. Oui. Alors, bon, j'ai toujours pas de nouvelles, on me demande chaque fois des compléments d'information. Oh. Donc, je dis que c'est peut-être pas vraiment bon non plus. Alors, mais j'avais quand même été, parce que je suis absolument pas indépendant financièrement. C'est-à-dire que je suis un peu. Si vous voulez, je suis un daltonien économique. Donc, C'est-à-dire. je sais bien que l'argent existe, mais je n'en vois pas la couleur. Oui, parce que en fait,
là, vous avez 259 euros. Oui, de retraite. Et puis, j'ai téléphoné pour savoir comment on... Mais oui, parce qu'au début, vous avez fait quoi comme boulot dans vos vies, dans votre vie? Bah écoutez, j'ai fait au tout début, oui. J'avais 16-17 ans, oui. j'ai fait du boulot de 2 mois en juillet-août pour me payer des bricoles, quoi, je veux dire. Oui, mais comme on a tous fait, vous avez travaillé dans votre vie quand même. Et ben oui, après j'étais à l'armée un an, oui. Avant à l'armée j'ai travaillé aussi, après j'ai travaillé, mais j'ai tout le temps travaillé. Et bon, comment... J'ai eu des périodes de chômage. J'ai quand même eu des périodes de chômage. Oui, mais même le chômage, il y a de la retraite dans le chômage, me semble-t-il. Ben oui, voilà, c'est ça que je ne comprends pas. Et le pire de comble de ça, c'est que l'allocation vieillesse, machin, pour personne. On me répond que c'est même pas la peine de remplir le dossier, parce que ma femme, elle gagne trop d'argent et que ça sera basé sur le revenu du couple et que je n'aurai rien. Alors franchement, c'est encourageant. Parce que ma femme, elle est employée, mais elle est fonctionnaire. Mais 259 euros. Comment ils arrivent à calculer 259 euros alors que vous avez travaillé toute votre vie? C'est... Ben oui, j'ai travaillé... Bon, je vous dis, j'ai quand même des coupures de chômage. Oui, mais même... 259 euros... Mais vous les avez appelés, donc, pour qu'ils vous expliquent? Je les ai appelés pour voir la chose, quoi. Oui. Ils m'ont dit, j'ai presque l'impression que c'est un parti... La bonne femme, elle était militée pour un parti, capitaliste. Je me dis, c'est comme ça quand on n'a pas travaillé beaucoup. Bah, j'y peux rien, moi, si je suis tombé dans une période où on ne voulait pas de moi et que bon, j'ai pas grand diplôme, hein. Et j'étais manutentionnaire, cariste. Oui, vous avez travaillé. Travaillé, quoi. Vous aviez des SMIG. Maintenant, si j'ai de l'arthrose cervicale, j'ai une hernie discale avec syndrome de queue de cheval et tout senti, c'est pas parce que je me suis bronzé la pilule au soleil. Alors, je suis vraiment esquinté, quoi, physiquement. Oui, oui. Et puis, on me retire en plus l'allocation d'handicap et on. Où c'était marqué même que j'étais inapte au travail. Et en plus, bon, je souffre d'épilepsie. Oui. Donc je ne peux même plus rouler en voiture. Hein? C'est une épilepsie, c'est pas une épilepsie convulsive, mais c'est plutôt une épilepsie narcoleptique. Quoi, je vais tomber dans un sommeil profond. Une syncope, en fait, quelque oui, part. Oui, oui. Mais je risque pas de me blesser, en fait. À moins que je tombe par terre, et puis c'est tout, puis je m'endors. D'accord. Alors, à quoi voulez-vous que je prétende? Même je voyais, tiens, je vais travailler un petit peu pour penser, mais je peux rien faire. Alors, je vais refaire une demande de dossier MDPH, tout ça, mais ça va prendre encore 6 mois, 7 mois. C'est long, c'est incroyable. Et donc, je ne sais plus comment faire. Donc, ce que je vous dis de mon côté, de côté familial, ça ne vous aide pas, quoi. Je veux dire, ben maintenant, pourquoi juste une bouche de cochonnerie, hein? Mais tu vas me servir. Mais ils ne vous ont pas dit que, parce que vous m'avez écrit un mail. Vous avez discuté avec un de mes collaborateurs et vous leur avez dit qu'on vous avait expliqué que vous gagnez 259 euros parce que votre femme gagnait trop. Ça n'a rien à voir normalement la retraite avec... Non, ça n'a rien à voir. Non, c'est-à-dire que je gagne 259 euros et puis à côté j'ai fait une demande d'allocation. Ah oui, oui. Solidarité personne à vieillesse, quoi. Oui. Déjà le mot vieillesse m'énerve. Vieillesse. Et ils m'ont dit que je n'y avais pas droit. C'est même pas la peine que je remplisse le dossier. Dans la mesure où ma femme, elle est fonctionnaire et qu'elle. 259 euros plus son salaire, oui, on était hors des clous. Hors des clous, quoi. Oui, c'est ça. Ça, c'est la loi, en fait. On gagnait assez pour vivre et puis c'était comme ça. Oui, et d'accord. Moi, quelque part, dans ma situation.
me sens vraiment diminué, je me sens comme un clochard, quoi, quand même. Oui, oui, je comprends, c'est très... Ouais, c'est rabaissant. Oui, c'est très rabaissant, oui. Et j'ai fait... Donc, comme j'ai fait, en plus... Bon, j'attends ma pension d'une chambre, je ne sais même pas si je toucherais quelque chose, mais normalement, oui. Mais... Moi, j'ai connu des gens qui ont travaillé un an, qui touchaient 170 euros pour un an de travail. Donc, moi, j'ai quand même travaillé plus de 5 ans. Donc, même si je touche que 300 ou 400, j'ai deux complets. J'ai l'habitude de vivre avec pas grand-chose. Je fais un jardin, j'ai des dettes et tout. Je vais pas en vacances. Donc, je fais partie de ces Français qui ne vont plus en vacances. Alors, c'est frustrant. Le seul truc qui me fait plaisir, c'est mon vélo aussi. Votre vélo, vous, a... ouais, vous pouvez vous partir comme ça en vélo, vous balader? Je m'évade, voilà, complètement. C'est une évasion. Bon, je roule en vélo, je pense à rien d'autre. Mais ça vous fait du bien. Et ça me fait du bien physiquement en même temps. Quand j'ai des douleurs ou quoi que ce soit, je prends mon vélo, puis je vais faire un tour à mon rythme, hein, bien entendu. Hein. Et ça me fait toujours du bien, même si j'ai mal, par exemple, des maux de ventre. Ça me fait toujours du bien pour tout. Donc, c'est formidable. Alors, autrement, bah, ma femme, elle travaille. Moi, je suis tout seul à la maison toute la journée. Je serais tôlard, ce serait pas mieux, parce que vu la météo en ce moment, hein, on est prisonnier, pour ainsi dire. Oui. Et puis bon, j'ai pas d'argent dans la poche. Hein. Si je veux m'acheter, par exemple, à manger, il y a à la maison. Si je veux m'acheter 2-3 bières, faut que je demande, je peux avoir 2 euros, 3 euros. Et puis voilà, c'est tout. J'ai quand même 62 ans. Oui. Oui, mais vous êtes donc. Ouais, vous êtes dépendant complètement de votre femme, en fait. Complètement. Donc, j'ai été voir le Crédit Mutuel pour faire un compte pour. Parce que le Luxembourg m'a demandé de leur transmettre un compte en banque avec la IBAN et tout ce qui s'en suit. Oui, pour y virer l'argent. Si l'argent y a eu. C'était bien marqué comme ça. Donc, j'ai été voir le Crédit Mutuel. Parce que j'avais un compte là-bas, un compte joint, sur lequel j'avais accès à rien. Parce qu'on avait fait un microcrédit à l'époque pour faire réparer une voiture, pour la revendre, bah, pour passer le contrôle technique et pouvoir la et profiter du bonus écologique pour acheter une voiture électrique. Mmh. Ouais. Donc ça s'est bien passé. Et donc j'ai dit, je pourrais pas avoir, quand mon argent sera viré, est-ce que je pourrais avoir au moins une carte de retrait sur ce compte? Bon, la femme m'a dit, oui, là, pas de souci, on va faire les papiers. Et puis là, en fait, elle m'a fait une carte Cirrus, je sais même pas. Bon, je viens de me faire insulter. J'ai presque failli me prendre une chaussure dans la figure parce que j'étais dans mon lit. Hein. J'ai dit, mais je crois, ah, vous donne ma gueule. Vraiment, je suis infantilisé. C'est ahurissant. Oui, vous vous sentez infantilisé, oui, complètement. Tout à fait, voilà. Je ne sais pas si vous avez regardé le... Bah, vous devez le connaître, de toute façon, le film Les yeux de la vieille, hein, quand ils sont persuadés de la gouillette, là, c'est comme si en Vendée, ça se passe en Vendée, hein, moi j'habite en Vendée. Mm-hmm. J'ai dit, peut-être que je ferais mieux la gouillette, moi aussi. Ouais, mais en retraite, je ferais peut-être mieux la gouillette... On foutrait la paix. Donc, je souffre quand même énormément de cela. Quoi. En plus, moi, je vais le dire à l'antenne, je m'en fous. En plus, par rapport à les opérations, j'ai été opéré déjà d'une hernie discale. Et depuis, autour de la ceinture, ça fonctionne plus très bien. Et ça, d'accord. Avec le cancer, ça fonctionne plus du tout. Alors, en plus avec ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire. Oui. Les reproches, elles vont vite, quoi. Alors, elle m'a même accusé d'avoir des relations sexuelles avec ma cancérologue. Ah, donc ça va pas trop avec votre femme, en fait, ces derniers temps? Je sais pas, moi. En fait, j'ai appris d'être de trop. Depuis que j'étais malade, parce qu'on m'a reproché. Parce que comme elle travaille à la mairie, en fait, à la ville,
Bon, les gens ils me connaissent, les employés me connaissent, le maire me connaît, les adjoints me connaissent. Et tout le monde était un peu avait de l'empathie pour moi. Oui. Mais on m'a reproché que il y avait trop d'empathie pour moi et pas assez pour elle. Pas assez pour? Pour elle. D'accord. Alors, voilà. Alors, bon, l'autre jour, on était, il y avait un peu avant, un peu après Noël, un peu après Nouvel An, il y avait un pot à la mairie, si vous voulez, je vous dis, et on a un nouveau curé, on dirait Don Camillo, il est habillé comme Don Camillo, il a le même chapeau, tout pareil. Et on faisait un coup, et puis il y avait le maire avec nous, parce qu'il était originaire comme moi de la Lorraine. Donc on parlait et tout, puis le maire il est venu, donc on avait tous les trois un verre de vin rouge dans la main. Mmh. Donc il y a fait ma femme, elle arrive, on dit « Ah, il y a rien, c'est comme ça, t'es pas assez malade encore et tout. » Et le curé, il a eu une réflexion, il dit « Écoutez madame, on n'y peut rien, c'est encore une fois le bon Dieu qui nous a joué un tour. Ben, » oui, oui, oui. On s'est servi de l'eau, regardez, il l'a transformé en vin rouge. Bon, il est parti vexé. Elle était pas contente. Elle était pas contente. Bah non, mais j'ai trouvé le coup du curé formidable. Bon, maintenant j'attends. Je vais faire du recours. Je vais aller voir à la mairie. J'ai une troisième adjointe. On va essayer de voir comment que ça se fait. S'il n'y a pas autre chose à faire, quoi. Ouais, bah oui, non, mais parce que avec ça, c'est pas possible. 200. Et ça, c'est définitif. Elle va pas. Elle va pas changer votre retraite. Non, non, non. Il nous faut que je fasse un recours et tout, mais bon, j'ai les papiers et tout. Mais normalement, j'ai assez de points, je ne sais pas, je comprends rien. Alors, on va regarder ça avec une troisième adjointe de la mairie, hein. Madame Poichotte, qui est quand même qui a le même âge que moi, en fait. Bon. Et donc, elle devrait être à peu près concernée. Et on va voir si on peut pas faire quelque chose. Parce que, je vous dis, des fois, je suis. Si je me fais foutre à la porte, je fais quoi? Bah oui, oui, mon pauvre. Même un clochard, il a plus que moi. Hein? Ouais, non, c'est terrible. C'est terrible. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à me redonner des nouvelles, hein, Fabien. Oui, il n'y a pas de souci. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, alors à ce moment-là, bon, les pauvres jeunes qui ont des carrières pas plus réjouissantes que la mienne, quoi, qui vont hacher, ou qui vont dire si, on va profiter de ça, eh ben, qu'ils fassent gaffe, quoi, parce que. On se retrouve dans une situation. Ouais, 259 euros à 62 ans. Heureusement, quand il y a votre femme, comme vous dites, mais si demain ça ne va plus. Je fais quoi? C'est dégradant, complètement dégradant. Alors, il faudrait que je mette une tarte à un flic ou à un gendarme pour pouvoir aller en prison et être nourri logé. Mais vous voyez à quoi je pense? C'est dingue, quoi. C'est dingue de penser comme ça, quoi. Je dis, j'avais déjà pleuré. J'ai dit, mais merde, pourquoi je me suis sorti d'un cancer? J'aurais pas pu être emporté, j'aurais été tranquille. Voilà. C'est dingue de penser comme ça, quoi. Alors, comme disait l'autre, j'ai eu des pensées suicidaires. Ben oui, oui. Bon, en tout cas, courage, mon cher Fabien. Oui, et puis, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, hein? Par contre, à tous ceux qui ont un cancer du cerveau, là, qui fassent comme moi, qui prennent le tout à la rigolade. Bah ouais, mais bon, faut pouvoir hein, prendre à la rigolade, c'est pas. L'avantage que j'avais, c'est que j'avais pas mal. Je savais même pas pourquoi j'y allais. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, ouais. J'avais pas mal, rien du tout, et même j'ai pas perdu de cheveux. Après, je vais faire un soin avec des électrodes sur la tête. Bon, j'ai été obligé de me raser. Me raser au rasoir et tout pour avoir le crâne de Kojak. C'est hallucinant, quoi, je veux dire. J'ai été obligé de après un moment, j'en ai eu marre. Et la conseillère, ça avait été. C'est un protocole qui m'avait été conseillé par l'oncologue, c'est-à-dire que la qui s'occupait de la radiothérapie. Et j'en ai parlé donc à ma conseillère, elle a dit non, allez foutez-moi de ça, la poubelle, arrêtez, laissez tomber, c'est du charlatanisme. Elle dit donc on a tout arrêté, et puis ça n'a pas été moins bien pour ça. Au contraire, c'était quelque chose que je vais porter en
24 heures sur 24 sur moi, avec des batteries et des piles pour me donner des électrochocs dans le citron. Quoi. Donc, j'avais pas perdu de cheveux du tout, il fallait que je me rase la tête. Hein. Franchement, c'était hallucinant. Quoi. Et j'ai même j'ai les cheveux gris, quoi, poivre et sel. Et c'est au niveau des tempes, où on a fait la radiothérapie, les cheveux sont devenus noirs. Ça n'a rien à comprendre. À rien comprendre du tout. Alors, c'est tout l'inverse de ce qui devait se passer. Hein, ils voulaient même me faire faire une cure de désintoxication pour que j'arrête totalement l'alcool. Alors, encore une fois, la cancérologue me dit si vous y allez, j'y arrête. Parce que je prends aussi une petite coupe de temps en temps. Donc, je n'ai pas suivi. J'ai bu un alcool de la journée, mais le soir à 6 heures, je faisais deux petites bières. Et le soir, un quart de litre de vin rouge. Et puis, alors qu'il était conseillé de ne plus boire d'alcool du tout. Et puis voilà. Mais pas d'alcool fort, hein, pas de whisky, pas de liqueur, pas de machin. Hein. Bon, bah c'est bien. Tout s'est bien passé, quoi. Bon, vous avez fait. Alors, je prenais juste du bon vin, quoi. Bon. Pas de la piquette. Donc, je pouvais me permettre, puisque j'en buvais pas beaucoup. Et du vin avec beaucoup de tanin, parce que le tanin, c'est un antioxydant. Donc, on peut regarder. Bon, là, bientôt, là, dans 3 semaines, je fais un nouveau IRM. Au 1er juillet, bon, j'ai une prochaine consultation avec le docteur Goualard de Montsaver. Et je pense qu'il n'y aura pas de soucis. Bon, vous avez l'air en forme, donc profitez bien. Oui, je suis en forme. Profitez bien, et puis surtout, n'hésitez pas à me donner des nouvelles, mon cher Fabien. Je serais ravi d'apprendre que, déjà, la santé va bien. On vous embrasse bien fort, passez une bonne fin de soirée, et puis courage à vous. Au revoir, Fabien. Vous souhaitez écouter encore plus de témoignages riches et bouleversants ? Retrouvez-moi chaque semaine dans le podcast « Dans les yeux d'Olivier ». Je pars à la rencontre d'hommes et de femmes aux vies extraordinaires qui ont accepté de me confier leurs histoires les plus intimes. Un podcast gratuit, disponible sur toutes les plateformes d'écoute. Alors je vous dis à très bientôt.